Oh.
Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue cordialement et vous souhaite la bienvenue en la cathédrale apostolique arménienne des saints traducteurs. Je suis heureux de voir que de nombreux représentants des églises de notre ville, fidèles à l'Esprit cher, à l'Évangile, se retrouvent pour vivre ensemble ces moments forts de prière pour notre unité. Je suis d'autant plus heureux que notre Seigneur nous donne aujourd'hui l'occasion d'organiser cette célébration commune qui nous permet de vous accueillir ici en notre cathédrale avec les prêtres de nos paroisses arméniennes. Cette année, les églises chrétiennes de l'île de Malte nous ont proposé le navire comme sujet de réflexion. Selon les interprétations religieuses, le navire symbolise souvent le mouvement vers un port paisible, à savoir à l'aspiration de l'homme à la recherche du royaume des cieux. Ces églises nous ont proposé également comme thème de méditation l'histoire de l'hospitalité faite à l'apôtre Paul et à ses compagnons par les habitants païens, mais charitables et miséricordieux de l'île de Malte, après leur naufrage qui est décrit ainsi dans les Actes des apôtres. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les autochtones nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. Allumant en effet un grand feu, ils nous en ont tous fait approcher car la pluie s'était mise à tomber et il faisait froid. La cérémonie de ce soir est un hommage particulier à tous ceux qui, à la recherche d'une vie meilleure et plus sûre, ont dû quitter leur foyer, leur famille et leur patrie. Beaucoup parmi eux n'ont malheureusement jamais atteint leur port paisible. Nous prierons aussi pour tous les peuples et tous ceux qui accueillent et accompagnent cette personne déplacée par les guerres et les catastrophes. Nos églises chrétiennes de Marseille, inspirées aujourd'hui par l'événement décrit dans les Actes des Apôtres, veulent renouveler leur engagement et allumer un grand feu, réchauffer et témoigner de leur humanité à l'étranger. Transi de foi, envoyé par Dieu. Notre ville de Marseille a accueilli tout au long de son histoire tant de migrants venus des quatre coins du monde. Nous gardons en mémoire qu'il y a plus d'un siècle, Marseille ouvrait ses portes à une communauté arménienne arrivée exsangue et offrait ainsi un havre de paix aux rescapés qui avaient pu fuir l'horreur et la barbarie du génocide de 1915. Nous avons voulu apporter deux exemples d'une humanité peu ordinaire. Cette photo en noir et blanc illustre le sauvetage d'environ 4000 paysans arméniens retranchés sur le mont Moïse, surplombant un rivage méditerranéen de la région d'Alep, après 53 jours d'une lutte acharnée contre les forces d'oppression ottomane. Femmes, hommes, enfants et vieillards étaient voués à une mort certaine. Ils seront secourus par des navires de guerre français et leurs officiers qui prendront tous les risques, dont celui de la désobéissance. Un acte de bravoure et d'humanité extraordinaire. 100 ans plus tard, l'histoire se répète. La deuxième photo montre l'Aquarius, qui après de nombreux refus d'accoster en Malte, Lampedusa, Barcelone, a finalement pu débarquer ici même à Marseille avec quelques dizaines de migrants
sauvé d'un naufrage dans la Méditerranée. On retrouve chez ses capitaines et leurs équipages un courage et une générosité exemplaires. Au-delà des tensions et des peurs, ils font preuve d'une responsabilité et d'une humanité peu ordinaire que nous chrétiens devons partager. Car tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus-Christ, qui s'identifie à l'étranger de toute époque, accueilli ou rejeté. La bénédiction et la protection de notre Père nous accompagnent sur le chemin de notre vie, afin que nous puissions réaliser les missions de nos Églises. En effet, l'Église arménienne apostolique a réussi à transmettre, à travers son histoire tourmentée, cette langue ancienne qui date du 5e siècle. Exceptionnellement, nous avons enrichi notre célébration des vêpres par la bénédiction du pain et de l'orgue, symbole fort d'hospitalité et d'humanité. Il m'a semblé d'abord qu'une chose était évidente à partir du texte du livre des Actes des Apôtres, qu'on a entendu aussi, c'est que pour prêcher partout, il faut d'abord être présent dans toutes les détresses de l'humanité. Paul est sur ce bateau, et ce bateau est à la dérive. Paul est là en plus prisonnier, mais comme dit le texte, il doit aller à Rome pour témoigner. Mais le Seigneur ne va pas le sauver que lui. Il va faire en sorte de sauver tous ceux qui sont sur ce bateau. Et Paul partage la détresse des gens qui sont là. Alors il va y mettre du sien dans le sauvetage. Et ce sera sa manière de témoigner du salut. Être présent dans la détresse. Vous avez évoqué, cher Père, tout à l'heure, ces deux images, celle de 1915 et celle de 2018, celle des Arméniens secourus au moment du génocide et celle des migrants secourus sur un des seuls bateaux qui peut encore continuer à en secourir quelques-uns. Que de détresse, que de détresse. Il y a les détresses liées à ces sauvetages, et puis il y a les détresses aussi de la vie. Combien de foyers aujourd'hui à Marseille vivent sous le seuil de pauvreté? Combien sont taraudés par l'inquiétude de savoir s'ils pourront continuer à faire vivre leur famille? Combien sont inquiets du chômage qui guette? Et l'on sait ces engrenages catastrophiques. On perd son emploi, cela déstabilise le couple et l'on se retrouve seul et dans la misère. Et combien? Et combien? Où serait l'Église si elle n'était pas proche de toutes les détresses de l'humanité? Alors quand j'entends ils partirent, prêchaient partout. La première chose que je retiens, c'est qu'il faut qu'ils soient présents aux détresses du monde. La deuxième chose que je retiens, c'est que pour prêcher partout, il faut d'abord savoir accueillir le don de Dieu tel qu'il se présente. Et Paul dit, ces gens de Malte nous ont témoigné d'une humanité peu ordinaire. Oh, ils n'étaient pas chrétiens. Ils n'étaient pas juifs, ils étaient des êtres humains. Et c'est à travers leur humanité profonde que Paul a compris le don de Dieu et qu'il l'a accueilli. Que serait une Église qui penserait qu'elle n'a qu'à donner aux autres des choses et pas grand-chose à accueillir d'eux? Que serait une Église qui penserait que pour être vraiment d'une humanité peu ordinaire, il faudrait d'abord être un bon croyant et un bon pratiquant? Que ces choses sont nulles. L'humanité peu ordinaire n'a pas besoin des confessions de foi. Et les chrétiens n'ont pas le monopole de la qualité de l'être humain. Paul en fit l'expérience. Et pour prêcher partout, il dut apprendre à accueillir, à travers cette humanité peu ordinaire, les dons de Dieu.
Ça commence par des choses très simples. Ils ont allumé un feu parce qu'il s'était mis à pleuvoir et qu'il faisait froid. C'est tout. C'est tout. Et c'était un don de Dieu. Ensuite, ils nous ont donné des vêtements. Ensuite, ils nous ont donné des provisions. Ensuite, ils nous ont marqué de l'honneur, même à lui qui était prisonnier. L'humanité peu ordinaire, c'est les gestes simples de la vie. Quand je lis « Ils partirent prêcher partout », j'entends ça aussi. Être présent dans les détresses et savoir accueillir le don de Dieu à travers la qualité humaine de ceux et celles dont nous devons bien accepter de recevoir par eux ce que Dieu veut aussi nous donner. Et enfin, la troisième chose, quand je lis « ils partirent prêcher partout », je ne peux pas m'empêcher, en relisant ce chapitre du livre des Actes des Apôtres, qui est comme un résumé d'Évangile, de voir que Paul, qui est pourtant d'habitude si prolixe, ne parle pas de Jésus. Vous pourrez relire le texte. Pourtant là, alors là, on pourrait dire que ça lui est servi sur un plateau. Mais Paul, qui pourtant ne rate pas une occasion, là, ne parle pas de Jésus. Il évoque Dieu, mais il ne parle pas de Jésus-Christ. En revanche, si vous regardez et si vous relisez l'évangile de Luc, en particulier le chapitre 4, lorsque Jésus est à Capharnaüm, alors vous voyez que Paul ne parle pas du Christ, mais il agit comme le Christ. C'est un apostolat par l'action. En effet, comme le Christ à Capharnaüm, Paul chasse le démon de la vipère qui sort du feu. Comme le Christ à Capharnaüm était allé guérir la belle-mère de Pierre, Paul guérit le père de Publius. Et comme le Christ à Capharnaüm avait guéri tous les malades qu'on était venu lui présenter, Paul guérit tous les malades de Malte que l'on vient lui présenter. Et comme le Christ devait ensuite partir à Jérusalem pour annoncer le salut en mourant lui-même sur la croix, Paul sait qu'il doit partir à Rome pour annoncer le salut en mourant lui-même à cause du Christ.